Salut à tous, c'est Tony. Alors, on se retrouve pour un petit let's play découverte sur Game Dev Tycoon. Alors, Game Dev Tycoon, c'est quoi? C'est un jeu où on est constructeur de jeux vidéo et on commence à bas échelle, oui, avec des petits moyens pour essayer de monter et d'avoir sa grosse boîte de jeux vidéo en fait. Donc, vous allez mieux voir en détail quand je vais commencer à jouer. Donc, voilà. Donc on va mettre nouvelle partie. Comme ça vous comprenez, vous allez comprendre mieux ce que c'est. Voilà, dans cette simulation d'entreprise, vous allez être transporté dans le temps au début de la révolution du PC pour démarrer votre propre entreprise de conception de jeux vidéo. Dans les 35 prochaines années, vous pourrez construire l'entreprise de vos rêves, générer d'incroyables ventes de jeux, gagner des fans et devenir le leader du marché. Donc ok. Avant de commencer votre aventure, vous devez donner un nom à votre entreprise. Donc on va l'appeler Tony Nono Gamer. Comme ça fait un peu de pub pour la chaîne. Nom du joueur, Tony. Voilà, donc je suis un mec. Hop. Les têtes, on s'en tamponne un peu. Ça c'est quoi? Allez, ben c'est parti. Voilà, on va jouer comme ça. Vous avez déjà joué? Bon non. Non, on va pas prendre les avantages que j'avais gagnés. Oui, car j'ai réussi à finir le jeu, mais bon, il y a des mois, quoi. Donc c'est parti. Donc voilà. Donc, là, on commence, on est dans un garage avec un petit PC. On doit essayer de créer notre premier jeu. Donc développer un nouveau jeu. Donc voilà, les thèmes. Course, transport et rythme et vocabulaire. Ouais, bah, super. Bah, écoutez, on va mettre course. Ensuite, choix du genre, on va mettre course simulation, il me semble. Et la plateforme, elle a, voilà, ça c'est Commodore 64. C'était un ordinateur, mais plus spécialisé que dans les jeux que les ordinateurs normaux. Voilà, et PC, qui était dans les années 80, quoi, on va dire. Allez, on va le faire sur ça. On va mettre un peu. J'ai pas d'inspiration, donc on va mettre des jeux un peu. Des noms de jeux qui étaient déjà sortis. Allez, on va mettre Formula One par exemple. Voilà. Allez, suivant. Donc graphisme. Donc là, vous voyez, on a que deux choix. En mode texte ou graphisme en 2D version 1. Voilà, on va mettre graphisme en 2D version 1. Commencer. Alors. On va mettre un bon moteur. L'histoire et quête, c'est un jeu de course, donc on en a rien à foutre normalement. On va mettre un bon gameplay aussi parce que c'est important. Voilà. Dialogue, design du niveau, intelligence artificielle. Alors, dialogue, on s'en fout. Design du niveau, on va essayer de mettre. Plutôt pas mal, intelligence artificielle un petit peu, voilà. Dialogue, on s'en fout. C'est un jeu de course, je vois pas pourquoi il y aurait du dialogue. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois que vous créez un jeu, vous gagnez des points de recherche. Ces points de recherche vous servent à faire des recherches, comme ça l'indique, mais pour débloquer d'autres fonctionnalités. Voilà, que vous avez là, graphisme, son basique. Après, ça en débloque des nouvelles, etc. Ou à débloquer des thèmes de jeu, etc. Et les points de technologie, je vous montrerai après ça quand on verra la page. Alors, Formula One, design du monde, graphisme, son. Donc, son, on va baisser un poil. Design du monde et graphisme, c'est quand même important pour un jeu de course, je pense. Allez, on va faire ça. Son, on s'en fout un peu. Voilà, donc les points de design et de technologie, c'est en fait, c'est ça vous donne de l'expérience après. Pour améliorer les qualités. Donc avant de finir un jeu, il faut bien penser à ce qu'il n'y ait plus de bugs, sinon le jeu ne fonctionnera pas. Bon ben allez, c'est parti. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, vous gagnez des points d'expérience qui vous permettent d'être plus performant dans la conception de jeux vidéo. Allez, publier. Voilà les critiques. Alors les critiques, c'est ce qui va vous dire si votre jeu va bien se vendre ou pas. Ça vous donne un aperçu, quoi.
C'est parti. Alors, bon, on a E6. C'est pas le top, mais c'est pas mauvais non plus. Là, c'est un peu mauvais. C'est moyen, quoi. À de bons moments. Un peu court en même temps. L'accent mis sur la partie moteur a très bien servi ce jeu. Bon, on n'a pas eu. C'est pas mauvais non plus. Voilà, le jeu a reçu de bonnes critiques. Et sûr de gagner des fans rapidement. Bon, mais écoutez, c'est pas trop mal, on va dire. 3 753 exemplaires dès sa première semaine de vente, ok. On a 27 fans. Ouh, c'est la folie. Voilà, on monte un peu en argent. Donc voilà ce que je vous ai dit, par exemple, rechercher, voilà. On peut avoir un nouveau moteur de jeu personnalisé, un nouveau thème. Voilà, par exemple, chasse, sport, danse, histoire. Bon, on va essayer de garder les points. On va essayer de créer des jeux d'abord avec les thèmes que l'on a. Pour essayer de garder les points de recherche. Allez, c'est parti. On redéveloppe direct à notre jeu. Course, ouf, mais c'est vrai qu'on n'a pas. Allez, on va faire un jeu de musique. On va essayer un truc. En simulation. C'est un peu compliqué là quand même. Allez, en stratégie, en rythme stratégie. On va le faire sur PC. On va l'appeler musique. Tout simplement. Suivant. On va le faire en mode texte. On va faire un mini-jeu là. Manière de voir si on peut gratter de l'argent. Donc moteur, on s'en fout. Le gameplay. Ouais. Histoire et quête. Mettre un peu d'histoire et quête. Là, je vous avoue que je fais un truc à l'arrache là. C'est pour débloquer, essayer d'avoir débloquer des points de recherche juste. Dialogue, on va monter les dialogues. Design du niveau, on va baisser. Intelligence artificielle. Voilà, on va mettre comme ça. Plus de 10 000 exemplaires Formula One. C'est pas trop mal, hein. Pour le premier jeu, on n'a pas beaucoup de moyens. Design du monde, c'est un jeu de machin. Graphisme, on s'en fout. Son, c'est un jeu de musique, donc ça devrait être important, logiquement. Allez, on va mettre comme ça. C'est juste pour débloquer des points, comme je voulais préciser déjà. Donc, il n'y a pas eu un bug, c'est ça qui me paraît bizarre. Allez, terminé. Voilà, comme ça on monte de l'expérience. Publier. Ouais, Commodore c'est mieux. Ouais. Ok. Allez, bon, on va voir ce que ça a donné. J'y crois pas trop. Ok. Ok. Pas très marrant. Ouais, bah. Du gaspillage d'argent. Bon, mais super. Voilà, bah écoutez. Formule très mauvaise combinaison. Ben super, on a tenté un truc. Je me suis foiré. Donc je crois que quand même, je vais devoir prendre un thème parce que. Course, transport, rythme. Course, on a déjà fait. Rythme aussi. Transport, vocabulaire. Je vois pas du tout ce qu'on pourrait faire avec ça. Donc on va prendre un jeu. On va prendre sport. Allez, on lance la recherche. Ah, donc j'ai perdu de l'argent sur ce jeu. Oh, quoi que même pas. Hein. Alors on va recréer un jeu direct. Sport. Simulation. Choix de plateforme Commodore. On va l'appeler FIFA. FIFA 88. On doit être dans ces années-là, même pas. FIFA 86. Je sais même pas en quelle année on est. En 2D, c'est parti. Histoire et quête en baisse. Ça sert à rien. Moteur, on va mettre pas mal. Gameplay, on se régale à jouer. C'est parti. Dialogue, on s'en fout. Design du niveau. Intelligence artificielle, on va baisser un poil.
Allez, 10 ans du niveau, on en voit du lourd là. Essayer de faire un jeu assez joli. Voilà, vous voyez, vous avez des nouvelles. D'après les rumeurs, l'entreprise japonaise Nivento, donc c'est Nintendo, vous avez bien compris, projette de lancer sa propre console de jeu. Nintendo est connu pour le jeu d'arcade à succès Diddy Kong. Alors c'est Donkey Kong. Comme vous avez pu le comprendre, ils n'avaient pas le droit de mettre les vrais noms. De nombreux experts issus du milieu de l'industrie ont émis des doutes sur le fait que les consoles de jeux décollent, mais nous avons hâte de voir ce que Nintendo va nous sortir. Ça sera quelque chose qu'on connaît très bien qui va sortir. Alors, son, cette fois-ci on baisse. On va monter les graphismes. On va même baisser un peu le design du monde. On va essayer de tout baser sur les graphismes. J'ai vu les nombres de bugs que j'avais. Allez, on finalise tout ça. La musique, 5800 exemplaires, il s'est vendu. Voilà, on a battu un record en design, voilà. On monte de niveau, là. Publié. Attention, les notes. Je ne devrais pas oublier la partie son, mais c'est un jeu de sport quoi. Marrant par endroit, c'est pas top, hein. C'est pas top. C'est difficile au début en fait. On n'a pas beaucoup de moyens, donc c'est un peu difficile à sortir des bons trucs. C'est moyen, c'est moyen. Donc on débloque des nouveaux trucs. Écoutez, si, il se vend quand même, l'argent a l'air de bien monter. Donc il faudrait vite refaire un autre jeu pour avoir des points de recherche encore. Mais alors, je ne sais pas quoi faire, on va refaire une recherche de thème. Je vais regarder déjà ce qu'il y a. Nouveau thème. Horreur, allez on prend horreur, on va tenter un truc. Allez, c'est parti. On développe un nouveau jeu en horreur. Alors, horreur, choix du genre. Une aventure d'horreur. Plateforme Commodore, on va l'appeler Resident Evil. En même temps, moi, je fais des petits clins d'œil au jeu qui existe déjà. En graphisme, bien sûr. C'est parti. Alors, histoire et quête, on va monter un peu quand même. Le gameplay, le moteur. Alors, on va tenter comme ça. Alors. Dialogue, design du niveau, intelligence artificielle. Donc nous allons faire intelligence artificielle, design du niveau, dialogue. On va monter un tout petit peu, mais bon, je pense pas que ça soit nécessaire pour un jeu d'horreur aventure. Intelligence artificielle non plus. Allez, on va tout baser sur le design. C'est parti. Alors le son, on va monter un peu le son parce qu'on a eu un reproche tout à l'heure. Design du monde. On va baisser à peine un peu le graphisme, on va mettre un beau design du monde. Voilà. FIFA, 12 000 exemplaires, 85 000 de recettes. Bon écoutez. Pour un mec qui est dans un garage, c'est pas trop mal. Alors on enlève les bugs. Allez, ben c'est parti. Et voilà, on a fait deux nouveaux records. Allez, publié. J'aimerais bien arriver à faire un bon jeu pour vous montrer comment ça évolue, mais... 6. C'est moyen, hein. C'est moyen.
Elle est fermée. Voilà, il faudrait qu'on arrive à faire encore un autre jeu pour débloquer un moteur en fait. Et il se vend pas mal, hein. Il se vend pas mal. Allez, on va tout de suite développer notre jeu. Choix du thème, on va mettre transport. On va tenter un truc. Hein. Transport en stratégie. Pourquoi pas? En simulation. On va l'appeler Crazy Taxi. Petit clin d'œil à un jeu déjà sorti. C'est parti. En graphisme 2D. Ah ben voilà, la Nintendo est sortie en plus. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien développer un autre moteur. Alors, histoire quête, on va laisser comme ça. Gameplay, le moteur, on va baisser un peu. Voilà, on va mettre un peu un jeu moyen. Équilibré, je veux dire. Alors, intelligence artificielle. Dialogue. C'est une simulation, mais bon. Écoutez, je vais tenter un truc, c'est juste pour avoir les 50 points de recherche. Voilà, ben je les ai maintenant, ça sera bon. Alors, design du monde, on baisse un peu. On met un peu plus de graphisme. Son, on augmente un peu. Voilà, je fais un jeu moyen. Parce que alors, je sais pas du tout ce que je fais là. Allez, 60, ça serait bien, ça aurait été bien d'avoir 60 en recherche. On ne les a pas. C'est dommage. Allez, 17 000 exemplaires, c'est pas trop mal Resident Evil au final. Voilà, nouveau record dans le design. Publié. Attention, attention, verdict. Oh, on va faire encore un jeu moyen, ma foi. Ouais. Pour avoir les points de recherche. C'est dommage parce qu'il m'en reste, il m'en manque qu'un des points de recherche, quoi. Bon, on va développer, rechercher, on va prendre le nouveau moteur de jeu. C'est parti. Il va rechercher tout ça, celui-là. Ça, on tentera un truc sur la NES. Ça débloque des nouvelles recherches à chaque fois. Et travailler, trouver un contrat. Oui, voilà. Vous pouvez faire des petits contrats comme ça qui vous permettra de gagner un peu de sous. Voilà, celui-là, attendez, comme il a celui-là 3 et 19, on va tenter celui-là. Voilà. Il doit essayer de. On va voir s'il va réussir. Voilà, moi j'ai gagné mon point de recherche. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, c'est bon. Bon. Allez, il a réussi le contrat. On gagne un peu d'argent. Voilà. Donc, rechercher. Voilà, vous voyez. Vous avez le son, les didacticiels, etc. Donc, là, déjà, on va prendre un nouveau thème. C'est quoi ces thèmes à pourri, sans déconner. Allez, chasse, on va prendre. Alors, on doit créer un moteur de jeu, voilà. Alors, moteur de jeu. Numéro 1, on va mettre les graphismes en 2D, machin. Là, on tente le tout pour le tout. Histoire linéaire et sauvegarde. Voilà, on crée ce moteur. On va tenter le tout pour le tout pour essayer de. Voilà, vous voyez la NES, elle. Voilà. Les fans de console, la NES fait un carton. Je vais essayer de sortir d'évoluer pour vous passer au niveau suivant, sortir du garage. Mais je vous promets rien, pour pas que la vidéo non plus vous ennuie. Voilà, on a le nouveau moteur de jeu, donc c'est parti. J'essaye d'enchaîner pour aller un peu plus vite.
Voilà, on a plusieurs choses, choix maintenant. Alors, choix du thème, on va prendre. Eh bien, écoutez, on va retenter un jeu de. Non, on va faire un jeu de. On va retenter un jeu d'horreur. Choix du genre. En action, cette fois, on va le tenter. Sur Nintendo. Voilà, on achète la licence, 80 000. On n'a plus d'argent. Et choix du moteur. Moteur de jeu numéro 1. Donc, on va l'appeler. T'as une petite dédicace à mon petit nono. Voilà, car il est fan de ce jeu. On va l'appeler Left 4 Dead. Suivant, en action, horreur. C'est parti. Suivant, avec les graphismes 2, on met le paquet, hein, on va essayer de faire un joli truc. Voilà. Voilà. Si on ne réussit pas, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il nous prête 84 000. Si on réussit pas, c'est la fin du jeu, c'est la fin de la partie. On base tout dessus. Voilà, on va essayer comme ça. On tente tout. Alors les dialogues, on s'en fout un peu. On va mettre comme ça. Le son, ma chaîne, design du monde, on va mettre un peu pas mal quoi. Et simple son. Allez, on tente le tout pour le tout maintenant. De toute façon, si je n'y arrive pas, je vous referai une vidéo pour vous montrer quand je serai arrivé plus loin. Donc, vous voyez, déjà, on a battu les records normalement de design, technologie, je suis pas sûr, mais on va voir. Voilà. Allez, ben, on va savoir. Si je m'en sors ou pas, voilà, on a battu des records, c'est normal, on a eu des nouveaux trucs débloqués. Donc on va publier ça et on va voir. Le verdict, il est maintenant. Montre du potentiel. Peut mieux faire. C'est pas top, hein. J'arrive pas à faire un gros jeu pour ça. Ah, 8, c'est pas mal, hein. Mais ils sont plus gentils, eux, hein. Game Hero, All Games et tout. Donc je pense qu'on va quand même gagner un peu d'argent. Ah, Vénard, une autre entreprise, c'est Sega en fait. Ouais, c'est bon, on remonte bien. On remonte bien maintenant, on va chercher un nouveau thème. Loup-garou. Allez, ben loup-garou, pourquoi pas. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une recherche pour améliorer le moteur de jeu? Non, pas encore. Il en faut 15. Nouveau thème, qu'est-ce qu'on débloque là? Zombie. C'est ça qu'il aurait fallu que je mette Left 4 Dead. Bon, loup-garou. On va se tenter un jeu loup-garou. Choix du thème, loup-garou. Allez, on va mettre en aventure. Choix de plateforme, la Nintendo encore. Et le moteur de jeu numéro 1. Alors, on va l'appeler. Comment on va l'appeler? J'en sais rien comment on va l'appeler. Allez, on s'en fout. Man Wolf, on s'en fout. Voilà. Man Wolf 1, c'est parti. Graphisme machin. Ah, vous reconnaissez cette console? Ta bonne vieille Master System. Bah écoutez,
baisser un poil les deux, voir. On va tenter quelque chose, parce que ça avait l'air de... Voilà, c'est un jeu d'aventure, donc les quêtes... On va faire ça. C'est bien vendu, le frère d'Edgar. Left 4 Dead. Alors... Baisser un peu ça. Juste faire 2-3 retouches, parce que c'est un peu le même genre... Hein. Jeu qu'on fait. On va monter un peu le son. Alors on va laisser comme ça. Un peu plus basé sur le gameplay pour voir. Manwolf 1. Allez, publie. Je le sens pas. Je le sens pas, les enfants. Pouf. Il va me faire couler ce jeu de merde. Quelle idée aussi d'avoir fait des jeux sur un loup-garou, quoi. Je vais tout de suite aller chercher à. Alors écoutez, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre ça. Je vais prendre le ciblage de public. Et après je vais prendre zombie. Je vais faire un jeu d'horreur. Interdit au moins de 18. Je vais tenter ça et ça sera le. Putain, ça sera sur Master System. Non non non. Parce que j'aurai pas assez de sous pour pouvoir. Alors, rechercher. Nouveau thème, zombie. C'est parti. Voilà. Allez, créer un nouveau moteur de jeu. Non, on n'a pas besoin de faire de ça. Normalement, pour mettre le ciblage. Développer, voilà, adulte. Public averti. Choix du thème, zombie. On va mettre en action. Voilà, vous avez les parts de marché, vous voyez. Le Commodore est en train... Le PC va rattraper le Commodore. Allez, ben sur Nintendo. Choix du moteur. Moteur numéro 1. On va l'appeler... On va l'appeler, on va l'appeler... Un vieux jeu que... Qui était sur Super Nintendo. Je sais pas si ça s'écrit exactement comme ça, mais en même temps les noms s'en balancent comme je vous ai dit. Allez, graphisme en 2D, Zombie at the Neighbor. Ok. On s'en fout un peu. Alors, histoire et quête, on baisse un peu. Mettre un gros moteur graphique. Voilà. Arrête de gratter la tête. On est dans la merde. Alors, intelligence artificielle. Dialogue, on s'en fout en fait. Design du niveau, on augmente. Allez. On tente le tout pour le tout. 14 000 exemplaires, Manwolf. Alors, on va accorder l'interview. Ok, ça nous fera de la pub. Hein. Alors, design du monde, oui. Graphisme, oui. Son. Alors, on va laisser comme ça encore, on tente. Hein. Voilà, on fait un jeu pour adultes. Ah, engouement. Vous voyez là, ça sent pas mal. L'interview m'a fait du bien quand même. Après, ça veut rien dire. Ça, on tente le tout pour le tout. Eh bien, on va voir ça.
Déjà, on bat les records. Bon, mais sur ce jeu, on arrêtera la vidéo. Donc, on va voir quand même si j'arrive à m'en sortir. Allez, on va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Ah ben notre moyenne. Alors comment il se vend quand même. Ouais, il se vend un peu quand même. Bon mais écoutez sur ça. Ah ouh. Les 150 millions. Les 150 millions ont été prélevés. Ouais, il me reste de l'argent. Ouh non, je suis dans la merde. Bon mais écoutez. Voilà, ben j'ai perdu sur ça, sur ce. Voilà. Tony Nono Gamer a fait faillite. Ben écoutez, je vous referai une vidéo de ce jeu quand j'arriverai à passer le deuxième niveau. Arriver pour vous montrer un peu l'évolution. Bon, c'est un petit jeu plutôt pas mal à jouer, hein. Vous voyez, il est assez prenant. Bon, ben voilà, ben je vous ferai une deuxième vidéo plus tard sur ce jeu pour vous montrer un peu la suite. Comment ça évolue. Allez, ben j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à tous, ciao ciao!